bonhomme avait un âne, un baudet de qualité, pour porter les victuailles qu'il allait vendre au marché. Et pour ménager la bête et ne pas la fatiguer, marchait 10 pieds devant elle en sifflant sur le sentier. Et tous les vieux du village qui le regardaient passer, les mains croisées sur la panse, s'esclaffaient et le raillaient. À quoi te sert d'avoir un âne si tu ne dois pas l'enfourger? Achète-toi une canne, ça t'aidera à marcher. L'homme avait aussi un fils qui souvent l'accompagnait, un brave gamin docile à la petite santé. Il était tellement fragile que ses jambes ne le portaient, et montait parfois sur la bête pour un peu les délasser. Alors le cœur des notables qui les regardaient passer chuchotait dans leur sillage, horrifié d'un tel forfait. Qu'est-ce qu'il fait ce gosse sur l'âne? Il pourrait bien marcher à pied et laisser un peu la place à son frère sur le baudet. Quand le soir à la nuit noire, il revenait harassé, étourdi par les tumultes d'une bien longue journée. Pour quelques instants de grâce, il reposait ses souliers. Le papa enfourchait l'âne et l'enfant les conduisait. Alors les gens respectables qui les revoyaient passer ne pouvaient, la mort dans l'âme, s'empêcher de s'indigner. Mon Dieu, regardez ce bel âtre, si ça n'est pas honte à pleurer, il pourrait bien faire une place à ce petit épuisé. La morale de cette farce, je vous la laisse apprécier, quoi qu'on dise ou que l'on fasse, on est toujours décrié. Et quand un jour en spectacle vous viendrez pour m'écouter, vous verrez que la critique est un art qui me connaît. Oui, moi je suis de cette engeance qui aime bien interpeller les vénards qui ont la chance d'embrasser la vérité. Oui, moi je suis de la mouvance se plaît à apostropher les badauds qui ont l'impudence d'apprendre aux autres à penser.